La graine de chanteuse en titre qui a gagné le mois dernier lors des 4 ans de Graine de Star nous vient de Corse, c'est une première, elle remet son titre en jeu pour la première fois ce soir ici avec nous. Elle s'appelle Alizée, regardez. Voir sa fille chanter comme ça du jour au lendemain, parce que bon, on n'avait pas l'habitude. C'est vrai que ça procure beaucoup d'émotions, d'intensité et puis bon... beaucoup de fierté aussi. Alors je suis très timide, je n'ai pas du tout confiance en moi. C'est pour cela que je prends des cours de chant, du théâtre, pour passer sur scène et vaincre ma timidité. Ma fille a les qualités pour peut-être y arriver, parce que ma fille a beaucoup de caractère. Elle ressemble à sa mère d'ailleurs. Alors ma famille m'aide beaucoup dans ce milieu, dans la danse, dans le chant, dans le théâtre. Ils sont toujours là pour m'aider, me pousser. Ma femme pousse la chansonnette avec elle, ça je le reconnais. Hein. C'est elle qui l'a fait répéter à la maison d'ailleurs, quand elle ne va pas au cours de chant. Moi, non, de mon côté, non, je m'occupe plutôt du garçon qui lui est plutôt passionné de football et c'est plutôt mon domaine. Avant de monter sur scène, j'ai très très peur, je tremble, je suis toute blanche. Une fois sur scène, je suis lâchée, j'ai plus envie de sortir. Elle s'appelle Alizée, c'est notre graine de chanteuse en titre. Elle a choisi Ma prière d'Axel Red. Alizée! Je fais le tour du monde, si tu savais comme j'étais déçue. On sent les mauvais tons, qui nous inondent de malentendus. Le comportement humain. Réalité si cruelle, je crains que l'on devienne une génération virtuelle. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu, un monde qui évolue. Je cherche mais je ne trouve pas un pays qui me parle. On enclave, on développe. Il est temps qu'on prenne d'autres dimensions. Des images de l'Afrique gravées dans mon subconscient. Sans la politique, elles seraient passées depuis longtemps. Si j'ai toujours gardé l'espoir, aujourd'hui je n'ose plus y croire. Moi qui aurais tant voulu. Graine de chanteuse antique. Bonsoir, princesse. Tu regardais La Rousseau, hein, tu me disais, j'ai peut-être des questions à lui poser. Alors, profites-en parce que La Rousseau est là. Je t'écoute. Alors, quel conseil me donnerais-tu pour réussir comme toi? Il ne faut pas, je t'entendais dire, je manque de confiance en moi et il ne faut surtout pas manquer de confiance. Le soleil brille pour tout le monde et il y a de la place pour tout style de musique. Et tu arriveras si tu persévères et si tu crois et si tu as toujours foi en toi. Et comme moi je sais que j'ai toujours ma maman avec moi. Alors des fois quand je dis j'ai 20 ans, j'ai ma maman, on me dit c'est un peu ringard, mais je t'assure que c'est pas ringard du tout. Écoute tes parents et puis je te souhaite plein de bonnes choses parce que tu mérites. Merci. Je t'en prie.
Alors oui, elle veut faire de la comédie musicale en plus. Elle danse, elle chante, elle fait de la comédie, elle fait tout. Incroyable. Cad et Olivier, donc pareil, vos conseils, prodiguez vos conseils à Mademoiselle Alizée. Je suis sûr que vous avez de très bons conseils, forcément. Il faut que tu ailles à l'école. Oui. Que tu sois à l'école à l'heure, que tu aies de bonnes notes en mathématiques, en français, en géographie, en histoire. Et à partir de là, tu pourras éventuellement envisager de faire une carrière de chanteuse comme la Rousseau, mais le bac. Je l'ai pas. Tu l'as pas, Père Olivier? Très bien, très bien. Cad, tes conseils? Conseil, ouais. Conseil de Cad. Non, mais j'ai aucun conseil à lui donner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Laurent? C'est... Mais celui que t'as donné, c'est celui-là que je voulais. Elle chante super bien, elle est très mignonne. Ouais. Et voilà. Donc, et attends, et c'est pas fini parce que je lui ai demandé de faire un petit titre a cappella, forcément. Qu'est-ce que tu as choisi? Envole-moi de Jean-Jacques Goldman. Ah yes, alors là, respect. Respect. Jean-Jacques Goldman. Ah, Jean-Jacques. Jean-Jacques, il nous manque. Chut, soupir, arrêtez. Envole-moi, 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 loin de cette fatalité qui colle à ma peau. Envole-moi, envole-moi, remplis ma tête d'autres horizons, d'autres mots. Envole-moi. Bravo. Alizée. Allez, un petit mot pour les Corses, on leur souhaite bonsoir. Bonne azère à toutes. Et voilà, bonne azère à toutes. Yeah, yeah. Oh là là, qu'est-ce que je vois? Bon, on n'est pas à la piscine, mais non. Non, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, elles sont prêtes. Vous vous en doutez, graines de danseurs, vous ne les avez pas vues le mois dernier en raison des 4 ans de l'émission. Mais cela dit, ce soir, deux groupes vont s'affronter ici. Un premier groupe, il nous vient d'Albi. Ils font des claquettes. Le groupe s'appelle Tip Tap, graines de danseurs. Un instant, vous allez les accueillir comme il se doit.